Nous sommes ici dans l'enceinte du palais de justice dans la commune de Gombe. Ces personnes viennent de tomber dans les filets des inspecteurs du parquet des grandes instances de Kinshasa-Gombe à la demande du cabinet de la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement Durable, son Excellence Eve Bazaïba Massoudi. Au nombre de 4, ces personnes qui ne sont membres ni du cabinet de la VPM ni du secrétariat général de ces ministères sont repris dans un ordre des missions pour Rome en Italie, une mission officielle auprès de la société Erosec pour une durée de 10 jours, soit du 4 au 11 avril 2023. Madame Tete Kapinga Muteba est présentée dans l'ordre des missions comme assistante de la VPM. Monsieur David Elisha Kakola, conseiller en charge de mission. Monsieur Nathan Kalusewoko Fumu, expert en environnement, ainsi que M. Gédéon Mbaka Alonga, expert en développement durable. Il se retrouve dans un ordre de mission non établi par les cabinets de Mme F. Bazaïba, c'est-à-dire avec une signature falsifiée de la VPM, un numéro d'ordre et un cachet sec non reconnu. Ces 4 personnes interpellées ce jeudi 16 mars 2023 ont été aidées par Mme Rachel, protocole d'État au ministère des Affaires étrangères. Elle aussi a été prise dans les filets du parquet de grande instance de Kinshasa-Gombe à la demande de la vice-primature de l'environnement et développement durable. Affaire à suivre.